Je suis Ricardo, l'auteur d'un blog sur l'art contemporain. Et voici Johan, vidéaste. Nous sommes partis en voyage au Maroc. Et c'est à Rabat, la capitale, que nous avons rencontré deux phénomènes de l'art contemporain marocain, Iba et Rita. Qui sont Iba et Gita? Donc, je suis Rita Hamdifi, je suis du Maroc, j'ai 18 ans, j'habite à Rabat. Je suis en première année de gestion et de management. Je m'appelle Iba, j'ai 14 ans, je suis en troisième année du collège. Et comment vous êtes tombée dans la peinture? Ceci dû au fait que notre père est un très grand amateur d'art et ma grande sœur faisait des portraits. Depuis que nous étions toutes petites, on avait de la peinture à la maison et on prenait du papier et on commençait à peindre. C'était venu spontané depuis notre très jeune âge, à l'âge de 4 ans pour moi et 3 ans pour elle. Comment naissent vos œuvres? D'abord, dans les tableaux, je ne commence pas avec une idée. Je commence avec un quart de cercle et puis ça évolue. Et toi, Rita? Comment dire, c'est comme si on mettait des couleurs partout et on mettait des formes partout et pour après voir ce qui va se passer, donc pour après voir le résultat. Et jusqu'à présent, je m'inspire surtout de la musique. Je parle surtout des performances. C'est lorsque j'entends de la musique dans une performance, elle me met en transe. Et du coup, c'est ce qui crée le tableau. C'est pour ça que j'entends surtout la musique Sofi. Soit de la musique pakistanaise Sofi, soit de la musique marocaine. J'aime beaucoup Nusrat Fatih Ali Khan. J'aime de la musique Gnawa. J'entends aussi du jazz. Et toi, Iba? J'ai essayé de créer un propre style que j'ai intitulé Abada parce que c'est la fédération de la capoeira et puisque j'aimais beaucoup et j'adorais la capoeira, donc j'ai essayé de faire une liaison. Non, je n'ai jamais encore fait de performance devant public. C'est parce que j'ai créé un propre style que je ne veux pas divulguer. Donc ça restera un secret jusqu'au jour où je déciderai de le dévoiler. Et ça serait une performance. Okay. Première performance. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Il y a un tableau. C'était lors des problèmes de la Sahara marocaine. C'est une personne marocaine. Okay. J'ai décidé de mettre la carte du Maroc ici, à la place du corps. Et j'ai aussi mis le Sahara marocain, comme quoi, si on n'a pas de Sahara, on va mourir. Vous avez jamais pensé de travailler ensemble? Oui, on nous a déjà posé la question justement. Mais comme vous pouvez constater, nos deux styles sont vraiment trop différents. Je vois mal une œuvre où il y a une création des deux. Je l'imagine pas. Il y a un thème, Rita, qui te tient à cœur? On a eu la chance d'avoir nos parents près de nous, avec des sœurs et des frères qui nous aiment. Donc le minimum qu'on puisse faire pour remercier Dieu de cette générosité, c'était d'aider des enfants nécessiteux. Tous les profits des expositions a été versé et sera versé aux associations s'occupant des enfants malades. Demain, avec Johan, on va à la Biennale de Marrakech. Est-ce que tu as laissé un souvenir là-bas? J'avais fait une performance pour la semaine de l'ouverture de la Biennale de Marrakech, dans sa 5e édition. Et après, l'œuvre que j'avais faite a été exposée à Bentley Mghreb à Marrakech. Et toi, Iba? Et pour moi, c'était une nouvelle idée, c'était de créer un tableau accroché au plafond. Il y avait sa miniature au mur. Voisin. Au mur voisin. Un grand merci les filles. Grazie mille. Prochaine étape, la Biennale de Marrakech.